Bonsoir tout le monde, bonne semaine sur Télévision Nationale d'Haïti. Non, pas c'est Evenson Frank. Moi, je compte avec vous pour présenter le téléjournal là à Soya. Rapidement, mais plus gros point qui a dominé l'actualité. Président de la République, là, Jovenel Moïse, présenté lundi 30 avril là, dans le Palais national diverses réalisations qui faites dans le pays dans le cadre de caravane changement. Présentation ça fait dans l'occasion premier anniversaire, lancement officiel caravane. Là. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui t'a gagné à Cli, l'autre membre conseil supérieur police nationale d'Haïti visité ville au Cap après incident samedi 28 avril là, côté un citoyen perdit la vie, la plusieurs moun blessé, situation qui t'est produit à cause d'un individu t'a lancé gaz lacrymogène pendant une conférence sous Petro-Caribé. Chef gouvernement dit lui passer instruction pour limier fait sous incident ça. On gère de l'eau pour augmenter production nationale. C'est sous thème ça, à ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, dans tête collée, avec le ministère affaires sociales et travail, à célébrer fête agriculture et travail là, demain mardi, 1er mai. Depuis hier dimanche, là, il y a un froid agro-industriel et artisanal l'ouvrir pour marquer occasion. Ministère Santé publique et secrétaire d'État pour intégration moun handicapé clôturé lundi 30 avril 2018 là. Première phase campagne sensibilisation sous maladie autisme là. Nouvelle là, l'autre bord de l'eau, accord nucléaire entre Iran et 6 pays grandes puissances qui était signé dans l'année 2015, pas négociable. C'est déclaration au président iranien Hassan Rouhani dans conversation l'été gagnant dans téléphone à Katoka et Franceli Emmanuel Macron. C'est tout point ça yo nous bral développer pour dans un petit moment pas débrancher Naptoné. Merci pour fidélité au téléjournal là nous bral ouais condition temps à collaborateur non Wilner Polidor. Nous, lundi 30 avril 2018, c'est le dernier jour dans le mois d'avril. Là, nous avons un mois qui était très instable. Nous avons eu plus de la pluie sur le pays pendant le mois. Et le mois de mai a annoncé aussi très instable sur le pays d'Haïti. Et nous avons une situation pendant la semaine qui est compliquée, chaotique. Et on a vu qui fait ça. Nous avons un fonds qui est trouvé sur Cuba. Et il faut ça générer un masse d'air sur les grandes Antilles aujourd'hui. Et la situation ça va provoquer quelques activité rapide sur le pays d'Haïti pour aujourd'hui, mais le département qui a plus concerné, c'est toute région sud là. Ça veut dire département Grand-Anse avec sud, Nip, sud-est et l'ouest. Il a concerné par activité rapide pour aujourd'hui. Ça veut dire en fin d'après-midi, en soirée et au cours de nuit, il y a une possibilité pour gagner quelques averses isolées qui sont capables de faire à modérer, accompagner l'orage. Ça veut dire non seulement après éclair, mais après des grondements tonnerre. Fonds à nous parler, supposé concerner nous dès mercredi et fréquence la pluie va augmenter sous pays. Nous allons avoir un temps qui est très, vraiment très instable. Et mercredi, tout pays est supposé concerné par activité la pluie. Jeudi aussi, vendredi et samedi, nous avons supposé une situation côté nous avons en pile la pluie sous pays. Mais c'est des prévisions que nous avons. Nous souhaitons que les prévisions soient aussi au Kembe. La population a été vigilante. Parce que il y a une possibilité non seulement pour un pile la pluie, mais pour inondation sous pays au cours de semaine. Pour capitale avec zone qui a environ son capitale qui a bas instabilité malgré bien soleil au cours de journée, mais non seulement réchauffement au cours de journée mélangé avec brise de mer cap rentrer sous nous en fin d'après-midi capable provoquer quelques activités convectives et nuages sao capable susceptible de bail quelques averses tapis sous quelques quartiers dans la capitale là et avec ça même s'il y a isolé mieux capable faire pas modérer et avec il y a pas accompagné avec l'orage pour jeudi là nous gagnons température qui monte jusqu'à 35 degrés et puis va descendre au cours de nuit c'est 23 degrés Celsius et pour page maritime là la mer la peut agiter non seulement sous côte nord et côte sud mais golfe de la Gonâve c'est un bel la mer à pied capitaine est capable de naviguer sans problème parce que mais là, la peut agiter à agiter sous côte nord et côte sud et golfe de la Gonâve, c'est une mer qui est tranquille. Et pour page astronomique, soyez la couchée jeudi à 7h11 et la pleuve demain matin
à 6h22. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. Merci Wilner Polidor. J'ai noté annoncé l'antitio. Président République là, Jovenel Moïse a présenté lundi 30 avril là, dans Palais National, diverses réalisations en caravane changement dans PIA, dans occasion en premier anniversaire lancement caravane là, qui était fait dans la localité La Grange, 1er mai 2017 là. Dans l'occasion, chef l'État Jovenel Moïse montrait satisfaction pour différentes actions qui déjà posées à travers caravane changement dans 10 départements pays. Il y a un extrait dans le micro Falande Delphin. J'aime beaucoup travailler dans le dérapé parce que pas oublier nous avons 15 mois. Et ce n'est pas 15 mois à côté de nous qu'on signe un gros contrat. Dans connaissance pas moi beaucoup connaît gouvernement signe aucun gros contrat par rapport à des cob que nous ta supposé joindre j'en nous toujours connaît nous connaît pays a grand pile partenaire monde qui aide nous et travail ça au fait là le nous commencer des possibilités signer contrat ça au même moi crois que Haïti pral sur route changement tout bon vrai changement dans affaire électricité. Parce que nous t'ai toujours dit, pour nous parler de développement en notre pays, bien ça les prérequis. C'est un peu comme un monde qui parle d'entrer dans l'université. Ou pas aller lever, ou finir faire kindergarten, ou sauter dans la préscolaire pour dire parler dans l'université. Ou un prérequis pour rien. C'est même genre développement, moi, tout le monde, son gros discours politique, ça fait développement en Haïti. Mais je dis, nous venons faire discours politique sans venir en réalité. Développement, tout bon vrai, il y a sous socle, sous base. Base, c'est infrastructure. Par exemple, le ministre Tourisme, il y a un peu de travail qui a fait dans le niveau ça. Mais pour on moun aller à Bassin Bleu, à visiter Bassin Bleu, je dis, dans le sud-est, est-ce qu'on a levé ou dit, ou prend machine ou à Bassin Bleu, si pas une route pour aller là-dedans? On dit on l'école de Citadelle visiter Citadelle, on l'école qui gagne 1500 timoun. Dans combien de jours pour arriver Citadelle avec 1500 timoun? Dans condition que transport pour arriver Citadelle aujourd'hui côté gagne on douzaine cheval chaque cheval yo ka prend yon moun. Dans combien de temps 1500 timoun a pour arriver ouais Citadelle là. Nous dit nos besoins pour pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Oui, n'a construit barrage irrigation. Nous commençons un barrage, moi ouais ça dans travail stratégique avant dans côté pour ces barrages sur rivière Marion. Mais là nous fin faire manger dans zone yo. Comment n'a fait transporter pour aller vers marché de consommation. Une zone de production qui dans Savandien par exemple, comment manger ça va arriver dans Gonaïve, comment va arriver dans Port-au-Prince si route Maïsad Saint-Michel de la Talaye pas faite. Si route Saint-Michel de la Talaye Henri pas fait, si route Maïsad Hinch pas fait, ou rien doit vouloir al faire production agricole. Dans sa vendienne, tout ça fait comme production arrêté là. Parce que ou pas gagné moyen de communication pour sortir dans point A pour aller dans point B. A dit pour sortir dans point côté faire production, pour aller dans point côté ou pas le faire distribution. Nous avons des équipements qui ont entré au fur et à mesure, jusqu'à la fin du mois de décembre, nous avons des équipements qui ont entré dans le pays. Mais pour direction départementale, d'ici la fin du mois de juillet, il y a pour recevoir presque 90% d'équipements qui ont été supposés recevoir pour travail. Mais ça, c'est impressionnant. Les gens qui ont regardé mieux là, nous avons invité nous à regarder dans le sud-est. Et surtout, à partir de fête, c'est le 1er mai, nous connaissons, le 30 avril, c'est Saint-Jacques et Saint-Philippe. C'est le 1er mai même, qui Saint-Jacques et Saint-Philippe, ça veut dire, les gens qui ont bien pour déplacer pour aller dans le département sud-est, d'ailleurs, ma maman a souhaité Ville Jacmel, bonne fête. Et l'état bon pour y aller regarder les font petit randonnée font petit tourisme intérieur à l'ouest qui gros ce travail directeur départemental Jacques a fait l'a fait route aller vers la montagne vers Côte de Fer et route qui sous Tipérédo qui pour aller vers Belance ensemble ça veut dire message l'a passé parole l'a parlé je dis toute direction départementale prend note il y a travail disons d'ici
deuxième trimestre année qui a venu, parce que j'en nous dis, nous commençons par l'équipe le 7 février, mais n'a pas fini par juste, j'en dis en décembre, mais en fait, il y a 90% d'équipement à partir du mois de juillet. C'est ça que fait le deuxième trimestre. Ça veut dire qu'on a parlé du trimestre qui partit à partir du 1er avril pour arriver jusqu'au 1er juillet. Toute direction départementale, au 1er juillet 2019, toute direction départementale est capable de faire 100 km de route que chaque gain pour bailler là. Et nous-mêmes, j'en ai dit, nous avons une infrastructure qui est en place. Par exemple, nous avons deux usines asphalte que l'État a installées déjà dans le pays. Par exemple, trois, l'autre encore fait cinq. Et le secteur privé a près d'une dizaine d'usines. Ça fait nous avons 15 usines asphalte qui sont installées dans le pays, entre privé et public. Ça veut dire que nous avons une capacité avec 15 usines asphalte, son capacité à installer ou à asphalter 15 km route chaque jour. Parce que la différence qui est entre revêtement et terrassement, est extrêmement difficile parce que les gens ont un pile de temps pour faire. Il faut faire ouvrage, il faut faire travaux de protection, il faut faire un pile de travaux de drainage. Quand sur tout revêtement lui-même, automatiquement, terrassement fin barré, chaque jour, on peut faire 1 km route à l'aise. Et nous avons 15 usines comme ça dans le pays. Nous avons une idée, ça veut dire entre privé et public, nous avons une capacité de revêtement de 15 km par jour. Chef l'État, yon l'autre côté, renouvelé engagement pour mettre courant 24/24 sous tout pays. Pour ça, président Jovenel Moïse dit libéral travail pour permettre l'électricité d'Haïti joindre 75% recouvrement pour fonctionner normalement. Sous question service data internet, président annoncé une réunion qui prévoit entre actes cap évoluer dans le domaine non avec l'État haïtien, yon façon pour chita sous décision chef l'État prend pour tout pays à couvrir avec réseau internet. Yon extrait dans micro Falland Delphin avec mobile TNH. Nous avons un réseau électrique pour nous construire. Nous voulons parler de réseau électrique national là. Pendant notre travail pour faire courant 24 sur 24 là, mais c'est pour nous travailler tout pour zone métropolitaine là, par exemple. Côté nous dessiner aujourd'hui, parce que l'ordre en zone Bras-Neuf, côté qui est tout le groupe là, dans la zone Côte des Acadiens, pour arriver jusqu'à l'Éogane, c'est zone métropolitaine. Nous avons un réseau électrique national qui a connecté toute zone ça en premier temps. Parce que nous avons fait réseau électrique là en deux phases. Nous avons fait réseau métropolitain d'abord, et puis ensuite nous avons fait réseau national là. Réseau national là, il doit durer 3 ans, il doit durer 4 ans, mais réseau métropolitain, l'entrée en dans 15 mois, nous dignité pour nous mettre courant 24/24 dans le pays. Pour que nous ayons près de 11 sous-stations, disons, il y a 8 qui existaient, disons 9, il y a une qui est tout neuf, il y a 8 lots qui ont même eu pour le réparer, et il y a 3 lots pour le construire. Sous-stations, c'est eux-mêmes qui pour permettre que distribution courant dans la zone métropolitaine soit bien faite. Nous voulons pour nous tous comprendre. Les affaires courantes, c'est pas un bail qui est dans la lune ni qui est sous masse. C'est sous la terre. Tout le pays sous la terre a un problème courant. Il y a résolu. Pour qu'ils soient en Haïti, nous avons un problème courant, nous ne pouvons pas résoudre. C'est un problème de mentalité. Le map parle d'affaires courantes, je veux dire, le peuple qui a gardé là, c'est pour nous croire que ça est possible. Il y a fait nous croire que ce n'est pas possible. Et puis, c'est fait nous croire que ce n'est pas possible. On gens a mis l'autre petit problème parallèle qui a été empêché pour retirer le focus sur les affaires courantes. Nous avons fait courant, nous gardons le comme ça. Ça veut dire que nous avons eu dans les yeux. C'est courant, moi 24 sur 24, et c'est là que nous allons. Parce que nous, tous dans le pays, nous souffrons de ça. On ne paye pas qu'à l'homme, nous avons 4 soleils dans le pays d'Haïti. Son seul petit côté dans 4 soleils, là, un petit couleur vert. Tout 4 soleils, là, tout rouge. Ça veut dire tout territoire paré pour produire courant à l'énergie solaire toute année. Et puis, combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit en Haïti? Zéro. Zéro. Et puis, ça pas fait personne. Tout le monde, c'est normal, on paye côté de volume solaire. Ça. Combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit? Zéro. Et je dis, combien de mégawatts courant tout pays a besoin net en général? 800 mégawatts. Dans affaires data, dans affaires Internet. Nous dit que le pays n'a pas qu'à vivre sans communication. Ça veut dire que Haïti aujourd'hui a un gros problème. Le monde aujourd'hui a travaillé pour aller dans la cinquième génération. Jusqu'à présent, c'est dans la troisième génération. Nous dans la 3G. Ça veut dire que nous ne pouvons même passer dans la 4G. Et l'autre pays a réfléchi pour aller dans la 5G. Gon bataille, nous avons 14 mois, disons 15 mois depuis le président. Chaque monde a bonne nouvelle sur les affaires 4G. Nous prenons une décision pour les problèmes à résoudre.
pour qu'il y ait 4G à travers tout le pays, pour qu'il y ait un système de fibre optique. C'est ça, il y aurait les systèmes, infrastructures pour les affaires technologiques. Nous travaillons pour que l'État ait une infrastructure dans les affaires technologiques pour que tout le pays, toute zone dans la République d'Haïti, ce n'est pas que c'est Port-au-Prince pour leur besoin. Download un programme, il faut venir côté bien plus internet. Ça veut dire. Pays à son, c'est 27 750 km². Elle dit, comment pourrait-être, par exemple, on en zone fort liberté et pourtant, pas internet là. Ou bien internet, ou bien sur internet, ou bien sur Facebook seulement, ou bien capable, ou pas internet normal. Moi, je dis ça, c'est pour le fini. Il faut tout pays. Haïti, il y a 10 départements, il faut 10 départements, il y a internet, même avec tout côté. Route Vaudreuil-Mône-Rouge, là, arrivée dans phase finalisation lisse et dernière couche protection sol, là, cap mété avant pour y passer dans asphalte. Il y a trois films cap travail sous tronçon route, ça, qui mesurait 28 km. Il y a des compagnies qui sont responsables, Yoshak, pour construire 10 km. Et puis, l'autre compagnie est responsable pour réaliser 8 km. En suivi, un extrait dans micro TNH. Le travail sur le cap fait là, c'est une impréhension que nous avons fait là avant que nous mettions le bitume là, qui c'est une couche de renforcement. Donc, après l'impréhension, ça, c'est une couche de renforcement grave bitume là que nous allons mettre. Donc, c'est ça qu'on relève avant la dernière phase. Donc, phase grave bitume là, lui-même, nous avons fait en deux parties. Nous gagnons 12 cm nous avons mis pour grave bitume là. Donc, nous mettons la première phase déjà, juste par des dos là, qui était 6 cm. Donc, on n'a pas avancé avec la préparation sale. Vous mettez la première couche là, qui est en 6 cm. Après ça, nous gagnons et fossé nous gagnons pour nous faire après le grave bitume là. Parce que la première impression, nous, c'est retirer Mounio, Moun et Mon Rouge et Vaudreuil dans la poussière qui est au vivre là. Donc, c'est ça qui fait nous mettre le grave bitume là d'abord pour nous capable retirer la poussière ça. Après ça, pour nous capable passer dans le fossé maçonnéo et canal et trottoir. On commence de Vaudreuil et pour nous capables arriver à Mont-Rouge, la première phase ça là. Après ça, pour nous avancer de Mont-Rouge pour nous jambé jusqu'à Canluise. Donc nous connaissons trois films qui sont tronçon ça. Il y a Kwamko qui gagne 10 km. Nous gagnons Remix qui gagne 8 km dans l'axe. Et puis nous gagnons Vob et Fils qui arrive à Concorde qui gagne 10 km. Travail kirage ak endiguement Rivière Blanche démarré samedi 28 avril là dans la localité Lamadelle, commune Gantier, en présence président République là Jovenel Moïse, plusieurs ministres ak parlementaires département l'Ouest là. Jean-chef l'État te promet pour lui résoudre problème inondation qui compte fait gros ravage dans diverses localités dans Gantier chaque fois la pluie tombée. Ils remettent une flotte équipement bail corps génie militaire pour assurer travail nettoyage Rivière Blanche. Reportage Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duverny. C'est l'équipement ça qui pral fait travail curage et assainissement Rivière Blanche dans la commune Gantier. Désormais, les gen mauvais temps, glop ap kapran zafè moun ak bèt yo pou pote ale. Bien bonnè nan matin, président républicain Jovenel Moïse vérifié et puis assurer le sous bon état matériel yo avant équipement yo prend route pour commune Gantier. Ces techniciens congénie militaire qui a accompagné ingénieur TPTC pour faire travail là. Malgré mois de mai qui a rentré là qu'on baille plusieurs appli, moun nan localité ti marché à l'autre zone qui compte victime de ravage Rivière Blanche, dit au cap posé à cause travail curage rivière qui démarre samedi 28 avril là. Nous tellement merci président pour ça l'a fait pour nous. Dans mois de mai à la de l'eau d'après le descendre là, tout le monde s'en l'air parce que c'est caille nous d'abdormi. On a nous commencé à gonti souffler pendant nous être terre à venir. Oui, pas un cas ici encore, pas un cas ici. On a nous prend deux monde, nous prend deux monde. Le président lui-même fait apparition aujourd'hui là pour notre section. Côté que nous vient avec des matériels, il a fait des travaux concrets dans la rivière. Côté que il a fait des travaux de curage rivière. Et ce bail qui est vraiment bien pour nous-mêmes, qui c'est peuple qui vivent dans la section communale Galet-Chabon, commune Gantier. Côté que ça l'a demandé ensemble avec le président,
section sont pas qui sont divisés en deux rives. Côté que nous qui rive droite qui c'est Galette Chabon, nous qui rive gauche qui c'est Petit Marché, côté on dit la Madel. N'a demandé avec président pour que lui même s'il était capable nous yon pont qui était à traverser ni rive droite ni rive gauche, qui était lié ni deux rives ça yo ensemble pour pas une division sectionnelle dans section Galette Chabon. Chef l'État Jovenel Moïse qui tenait avec plusieurs parlementaires département l'Ouest là quelques ministres annoncé c'est environ 59 rivières sous territoire qui a bénéficié même travail ça au fur et à mesure équipement caravane continue à rentrer dans le pays. Pays gagne en tout presque 160 millions de dollars équipement qui vient pour arriver là-dedans. Jusqu'en décembre 2018 là, n'a bien pour nous recevoir équipement. Ça veut dire chaque mois gagne équipement qu'a recevoir dans le pays. Tout équipement ça yo, il y a bien pour là pour venir faire travail peuple là. J'en ai toujours dit, l'équipement ça, il n'y a pas là pour le travail avec personne. Il n'y a pas là pour le travail avec les gens qui travaillent dans l'État. Il n'y a pas là pour le travail avec les gens qui sont dans le privé, ni avec les gens. Il y a là pour travailler, pour faire travail peuple, pour faire route, pour créer rivière, pour faire système d'irrigation. Même j'en ai dans rivière blanche aujourd'hui, les gens rivière blanche promettent ces dettes. Nous arrivons sur nous pour que les gens qui sont dans le petit marché, rivière, ça qu'on mette nous dehors, je dis, équipement qu'il a acheté avec l'argent taxe nous, avec l'argent impôt nous. Parce que là, nous chauffons tête nous. Là, nous dit nous que là, nous payons taxe côte cobla. Mais pour nous, capable de travailler pour nous, il faut payer taxe, il faut payer impôt. Travail qui commençait dans Rivière Blanche, c'est respect, promesse président République l'a fait. Pour retirer habitants commune Gantier dans tribulation rivière ça contre la guerre habitants yo les la pluie tombée. De temps ça équipement caravane n'a continué rentrer dans pays ya pour distribuer dans toute zone qui pour rejoindre quantité matériel yo besoin pour faire intervention la caillou. L'autre nouvelle dans le journal là, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui était à Cli, l'autre membre Conseil supérieur police nationale d'Haïti visité l'hôpital Justinien, un côté moun qui était blessé pendant une conférence quelques parlementaires t'a organisé sous Petro Caribé au Cap-là à Prince-Soin. Chef gouvernement expliqué visite ça gain des objectifs fait inventaire situation qui rivéa. Ouais, qui disposition qui te prend un moment et puis analyser qui disposition yo pral prend. Premier ministre dit gain instruction qui passait by autorité judiciaire ak policier yo pour prendre toute mesure nécessaire pour arriver mettre main sous coupable yo. Yon extrait d'Amico Tenache. Nous sorti réaliser en réunion à l'extraordinaire de CSPN qui c'est Conseil supérieur de la police nationale. Bureau contre ça, c'est pour nous être capables d'abord faire un inventaire sur incident grave qui est arrivé dans le café Trio, jour qui était samedi 28 avril 2018. Dans contre ça, CSPN, après un huis clos, il était décidé pour être capable d'inviter l'autre autorité dans le Nord venir participer avec nous dans la rencontre. Ça. Inventaire permet de nous que il y a un mort, c'est l'occasion pour nous présenter sympathie nous par les parents Jacques Dubois, que nous connaissons qui fait partie de grande famille de Tropicana. C'est l'occasion pour nous présenter sympathie nous tous. By Tropicana. Et au-delà de Tropicana, c'est pas un pète vraiment qui intéressait seulement le Nord, même qu'a dit qui intéressait tout Haïti et qui intéressait planète non, parce que nous connaissons qui ça Tropicana représentait pour non seulement les Capois, mais pour le peuple haïtien. D'ailleurs, me présenter sympathie par la famille Jacques Tou. Parce que c'est inadmissible qu'un citoyen haïtien soit tombé dans cette situation. Il y a quelques blessés tout. Et nous avons profité de l'occasion pour nous, après rencontre, pour nous visiter
victimes dans l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien. Mais lors de visite nous qui était faite après, tu as gagné seulement une seule victime qui était hospitalisée. Et nous avons profité occasion de passage dans l'hôpital là pour nous passer instruction pour que la direction de l'hôpital là, les prend en charge malade ça à 100%. Au cours de la rencontre, nous passons des instructions aux autorités policières et aux autorités judiciaires pour qu'ils prennent toutes mesures jugées nécessaires pour qu'ils soient capables de traquer l'auteur AXA et mener auteur AXA à la justice. La plateforme nationale secteur populaire nationale dénoncé incident qui arrivait dans ville au Cap samedi 27 avril passé à qui la cause yon moun mouri ak plusieurs lots blessés dans conférence débat qui t'a organisé dans café trio au Cap. Président en plateforme non, Dieudonné Lérisson souhaité la justice menait un bon genre enquête pour faire lumière sous dossier ça. Un extrait. Plateforme nationale secteur populaire haïtien PLANSPA condamné à toute force li zak criminel que nous qualifions comme un génocide que politicien Rado Kale fait contre même secteur populaire haïtien côté que petit secteur a victime encore une fois. Nous gagnons Jacques Dubois qui mourit et en pile petit secteur blessé et couché sous cabane de l'hôpital. Plateforme nationale secteur populaire haïtien voyez sympathie by famille Jacques Dubois avec tout l'autre membre secteur qui blessé qui couché sous cabane de l'hôpital. Plateforme nationale secteur populaire haïtien constaté. Jodi a ces petits secteurs qui continuaient à victime en bas mes politiciens qui assoiffé qui gen folie prend pouvoir. N'a demandé politiciens Rado Kale suspend massacrer petit secteur populaire là où gen folie rive sous pouvoir. N'a demandé la justice et la police fois ça pour prendre responsabilité d'une façon pour famille Jacques Dubois Karen justice avec tout l'autre petit secteur qui blessé jodia qui couché sous cabane l'hôpital. L'autre dossier dans le journal là, en gérer de l'eau pour augmenter la production nationale là, c'est sous thème ça, ministère agriculture et ressources naturelles avec développement rural, dans tête collée avec ministère affaires sociales avec travail, à célébrer fête agriculture avec travail là à Nessa. Sorti 29 avril, rêvé 1er mai, responsable a organisé un froid agro-industriel et artisanal pour marquer occasion. En suivant un reportage avec Rachel Saint-Fort et Moïse Wilbridge. Encourager production nationale là ben artisan agriculteur industriel espace pour vendre tête yo ak produit zevio c'est pas mi objectif foi agro industriel ak artisanal ministère agriculture ressources naturelles ak développement rural a réalisé nan tête collé ak ministère affaires sociales ak travail nan occasion fête agriculture ak travail là. Produits alimentaires pour moun servi, déodorants, savon, produits artisanaux, collierades, bracelets, sandales. C'est parmi divers produits locaux, artisans, organisations, institutions privées, publiques, exposés dans l'occasion. Nous avons produits locaux, ensemble de produits locaux. Artisanaux, si nous avons sandales, par exemple, ça sont dans le macramé, nous faisons porter avec fil. Dès que nous avons venu, nous avons mis le reste là, avec la bracelet, avec la prenne. Ça, même si on a une tasse. Il y a un couleur local sur lui, à moi, il y a pour moi. Et puis, il y a besoin de l'acheter. Il y a un vivable pour nous faire la donne. Et puis, si nous avons la donne, nous trouvons trop belle pour la boire. Il y a déposé sous chiffonnier. Et puis, comme un monument. En tant qu'artisan,
n'a pas travaillé pour payer nous. C'est bail local nous faire parce que ancien monde pas conserver produit blanc nous-mêmes. C'est artisan nous et bien nous espérer prendre toute bail local pour nous capable payer nous en valeur et puis nous travailler pour du local. Et bien ça qui inspire nous travailler local là parce que nous connaissons local là précisément moi-même je connais local là. Je suis satisfait malgré me pas vendre mais grand pile élève l'école qui visitait yo content bail on va connaître yo. Et puis mon gars c'est grand monde qui passait qui dit ça c'est sous place ça c'est panier ça se me sentir son fierté pour moi. Diverses autorités dans l'état qui étaient présents dans l'occasion deuxième journée foire soit pour accompagner organisation qui a produit qui vient exposer ou bien pour participer et puis garder comment activité a déroulé. Invitez tous citoyens et mettez main pour bailler production nationale la j'arrête. Nous rassembler des organisations de femmes qui vous venez faire exposition ça pour nous. Des organisations de femmes qui sont de partout, Tigouave, Gressier, tout dans toutes 20 communes là, nous rassembler côté que nous voyons bah, une belle exposition ça. Nous jeunes produits en bois, nous jeunes produits manger, nous jeunes tout bagage ça c'est côté que femmes lui même mettel dans pas plan. Pour être capable de rendre cette agriculture ça possible. C'est fait de l'agriculture, ça représente tout ça nous avons comme valeur ou comme ressources dans le pays. Et c'est toujours l'occasion pour nous exposer, pour nous voir que ça nous gagne, comment nous développer pour mettre sur le marché international, pour voir comment nous faire pays ça avance vraiment. C'est ça qui est intéressant, de regarder et qualité artisanale que nous avons dans la caille et artisanale que nous avons café de ça extraordinaire et pour nous voir comment pour nous propulser à l'avant pour nous montrer international la valeur ça. Artisan yo invité plus moun vinn participer dans foire pour encourager artisan yo produit plus. Autorité aéroportière nationale yo organisé lundi 30 avril la yon foire interagro artisanale dans l'occasion fête agriculture et travail 1er mai 2018 là. Employeo salier initiative direction générale AAN Napran pour réaliser activité ça qui sous première édition li. Reportage Anne-Marguerite Auguste ak Michaud Joseph. Froid agro artisanal ça c'est pour permettre employeo exposer l'autre capacité yo gen la caillou. Jésus la dérisma même organisateur activité a fait connait objectif froid là c'est pour permettre AAN participer dans promotion qu'a fait pour valoriser production locale là. AAN en Corée production locale, c'est sous thème ça autorité aéroportuaire nationale réaliser froid interne agro artisanal là. Mais année ça nous était juste voulait ba employer opportunité pour monter talent, montrer qui ça le connait fait. Donc nous fait avec des produits locaux Jean Kawel, nous fait les gastronomiques et artisanal. Bon, je nous mettais avec slogan qui c'est AAN en Corée production la caille, c'est faire mon yo plus consommer produits locaux parce que nous avons de bons produits avec produits nous avec grenadier nous avons de bons liqueurs donc nous va obligé tout à importer à servir avec seulement liqueur importé nous on fait gâteau ensemble avec eux parce que là nous avons des employés qui vendent nos gâteaux avec carottes qui c'est des produits la caille donc n'a mobiliser mon yo plus toujours pour consommer produits qui fait la caille. Plusieurs exposants bat bravo pour initiative ça direction générale AAN prend. D'après yo, c'est une façon à pas activité professionnelle yo pour montrer grand public là l'autre bagaille yo ka fait. Initiative ça dit que même dans AAN yo corée production locale yo corée tout ça pays a fait, yo voulait soulever que c'est pas produit international qui est important et que nous même ça n'a vendre et que ça nous même nous gagner ça capacité chaque grand employé gagne apport de travail professionnel yo important et que yo ka mettre la valeur en dans AAN. Nous avons besoin pour l'environnement nous en Kabel. Nous avons besoin qu'un jour, pour l'autre monde qui n'a pas eu l'opportunité pour être capable de jouer des bagages pour manger, de fruiter ça. Je pense qu'il y a planté et même y a servi à l'autre monde qui n'a besoin. Et je pense que ça a mis les produits nous en valeur. Production nous yo parce que nous gagnons un paquet de cocktails qui fait à base de produits locaux. Nous gagnons assaisonnement qui fait à produits locaux. La bapin nous connaît depuis longtemps tout le monde terre mais la bapin avec nous gagnons jus, nous gagnons cocktail que nous présente qui est typique qui fait à base de épices douces. Oui, c'est opportunité ça et puis nous sentir nous fiers tout pour nous représenter pays nous avec produits pays nous. C'est environ 18 exposants qui étaient étalés produits toute qualité yo qu'on fait. Valise, sandales, macramé, boissons qui fait à produit PIA, ces différents produits qui étaient étalés sous table exposant yo. Yo souhaité directeur général AAN prend disposition pour permettre chaque année yo organiser froid ça et puis l'ouvrir à l'autre public.
Directeur général DGIA Miradem Morlan déclaré deuxième trimestre exercice fiscal 2017-2018. La séance réussite. Directeur Morlan qui était prudent, l'élu Pavlé avant ses chiffres qu'on ait toute prévision yo en d'un budget à respecter. Yon extrait dans micro Ansi Mars avec Fresnel Toussaint. Avant nous écouter justement directeur Morlan, on a rappelé que directeur général des GIA Miradem Morlan lui-même l'a déclaré deuxième trimestre exercice fiscal 2017-2018 là c'est en réussite total capital. Directeur Morlan qui était prudent, la li pavlé avant ses chiffres fait qu'on ait toute prévision yo en d'un budget à respecter. En côté. Cette correspondance à ça nous prévoit et même dépasser dans la mesure où. Ah, c'est pas ça, Banque Centrale. On parle avec moi, on parle à Banque Centrale. On parle avec moi, Ouais, pas parler de question de Banque Centrale. Et c'est moi qui Banque Centrale, c'est moi qui dis Banque Centrale, ça m'a la caille pour lui. Et ça m'a la caille pour moi. Il va pas venir répondre non, mais il va pas venir répondre pour moi non plus tout. Et m'a dit que c'est pour question des résultats, mis à part de ça, que nouvelles mesures que le ministère des Finances prend pour nous mettre en application depuis le 1er mars, qui est beaucoup en application, malheureusement, et que non, et ça fait les prévisions initialement, moi tellement confortable à donner, et même dépassé. Pour le premier semestre de l'exercice fiscal. 33e colloque international CREDAF, responsable impôt pays francophonio, l'ouvri dans Montréal lundi 30 avril, directeur avec responsable impôt qui sortit dans 33 pays membres CREDAF, là, à bien pour Chita Palais. Et puis réfléchis sur plusieurs thématiques qui ont relation avec thème ANESA, qui c'est consentement avec l'impôt et redevabilité. Miradem Morlan, qui c'est vice-président CREDAF, fait qu'on a un pays d'Haïti à bénéficier en pile des activités ça. Un extrait dans micro Ansi Mars avec Fresnel Toussaint. Sur le plan et fiscal, on regarde sur le plan international, il y a pour Haïti dans un autre niveau. Ouais, c'est notre niveau parce que c'est pour la première fois que nous réalisons un colloque de ce calibre, d'accord, en Haïti. Et c'est pour la première fois que nous recevons un colloque tout de administration fiscale et tout pays francophone en Haïti, alors que Haïti c'est membre à part entière du CREDAF. C'est-à-dire retomber à qui ça le pralier. Surtout pour le thème ça que nous pral débattre là en atelier, yo. C'est que là nous finis. Fin de battre ça, il y a une restitution qui va le faire. Il y a un document qui va le préparer. Avec document ça qui va le préparer, ça va le permettre nous comprendre mieux. Parce que on connaît que la fiscalité, ce n'est pas un bagage, c'est pas une matière qui est facile. C'est un bagage qui, quand même, il faut nous faire échange d'idées. Il faut nous essayer de garder pour nous sur le plan international comment ça marche. Et que la caille nous-mêmes pour nous capables de vivre, même là que nous gagnons et expertise par nous. Mais si nous gardons pour nous comment la marche dans tout le monde, là, et bien la caille par nous-mêmes tout pour nous capables de mettre nous au pas. Pour nous mettre nous up to date, c'est-à-dire où nous connaissons aujourd'hui comment le monde a évolué. C'est-à-dire si monde, ou même on pas arrêter là car on a fait ça fait pas. Parce qu'il faut nous connaître que aujourd'hui, côté de DGI longtemps, avec côté de DGI, c'est deux bagages différents. Parce qu'il fut un temps pour te jouer dans service dans DGI, c'était casse-tête chinois. Ou tu vois que pour te jouer dans service, c'est service manuel qui te gagne dans DGI. Or, Kounia, nous voyons que nous disons d'ici 2020, nous avons parlé de DGI 2.0. C'est-à-dire pour nous capables de vivre effectivement. N'a modernisé, n'a fait réforme comparativement à l'autre pays dans la région hein, qui a fait bon service. Et je dis à tout le monde que le DGI dans l'OCDE. Ministère Santé publique avec secrétaire d'État pour intégration Moun Handicapé, clôturé lundi 30 avril 2018, première phase campagne sensibilisation autisme là. Dans le cadre de cérémonie, ça, coordonnateur unité santé mentale MSPPA, René Domersan, fait qu'on ait autisme manifesté dans diverses façons, tant coup, problème langage, comportement étrange, problème adaptation, mais à qui ont attention spéciale et bon genre encadrement, Timoun qui fait autisme, qu'a gagné une vie normale. En suivant, yon bout dans déclaration, la micro d'Aline Dorival avec Michaud Joseph. Autisme sont conditions. Que au jeune caillou monde que on commence à détecter les petits monde petit entre 1 et 3 ans généralement mais qu'aller jusqu'à l'âge de 5 ans époque côté que
gon série de bay développement la kay ti moun nan que ta espéré depuis que après que pa joine côté problème de langage pour côté pour ti moun nan ta gagne pour socialiser depuis là ça ou elle gagne des comportements qui ont ti jan bizarre. C'est le ça que capable en fonction d'une série de tests qui a déterminé effectivement est-ce que il y a un problème d'adaptation sociale qui capable affecter l'engagé moyen pour contacter monde communiquer avec monde dans société. Mais c'est un problème que si yo gantan détecter le bonheur et si yo ba moun nan encadrement approprié que l'a surmonter et étape ça yo et puis l'a capable rentrer dans cadre apprentissage normal et puis capable apprendre métier faire profession vivre socialiser normalement comme tout le monde. Toujours dans le cadre de la cérémonie clôture, première phase de la campagne de sensibilisation sous autisme, secrétaire d'État pour l'intégration Moun Handicapé, Gérald Auriol Junior, fait qu'on est Moun qui atteint de l'autisme méritait bon genre encadrement médical et psychologique dans l'idée pour permettre yo intégrer yo dans la société. Même genre avec tout l'autre monde en suivant yon bout dans la déclaration de l'amico d'Aline de Rival avec Michaud Joseph. Nous connaissons que autisme son phénomène mondial qui affecte un pile monde et au niveau national et un pile monde tout qui a vivre avec autisme et qui besoin un encadrement sous différents plans que ce soit un encadrement médical, social et un encadrement selon le domaine de l'éducation tout mais qui souvent est par manque de compréhension en société hein, et par manque d'information, pas joindre encadrement ça pour permettre yo évoluer comme ça doit en tant que citoyen à part entière. Donc c'est dans l'optique ça que les différents partenaires yo ont décidé et lancer campagne ça, c'est pour permettre que la société prend conscience et puis petit à petit les services disponibles viennent plus renforcer pour permettre que les gens qui vivent avec autisme vivent dans la dignité, même gens avec tous les citoyens. Innovating Health International, qui se centre pour traiter cancer inauguré lundi, samedi 28 avril, qui saute passé à un nouveau local qui trouvait dans la zone tabac 58, boulevard 15 octobre, en face son auto. Directeur Saint-Lan, Dr. Vincent Degenaro, fait qu'on est, yo prend initiative ça dans l'idée pour continuer de servir. Et puis, joindre espace qui permet de mettre plus matériel pour qu'abaille plus service. Il y a un extrait dans le micro, Elisa Colo avec Michaud Joseph. Commencer, nous avons chimio, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'internet, nous n'avons pas rien. Ça nous a gagné, c'était un petit staff avec un gros cœur, nous avons gants, gaz et puis chimiothérapie. Et puis, comme ça, nous avons commencé 2 ans et demi. Nous traiter le cancer. Et puis chaque jour, le programme grandit parce qu'il y a un besoin sur ça. Et puis après ça, nous grandit dans l'espace de l'hôpital Saint-Luc. Nous lançons le programme de dépistage cancer colmatrice. Nous lançons le labo pathologie au CAP. Et nous lançons un programme de recherche sur maladies chroniques comme diabète et puis tension. Parce qu'il y a un besoin pour ça. Kounia a lancé un nouveau programme. Ça, ce n'est pas seulement un centre de cancérologie. C'est comment on a commencé avec un centre de santé des femmes. Ici même, nous parlons d'une clinique de gynécologie. Okay? En dedans, on a fait gynécologie générale, on a fait obstétrique, on a fait soins prénatal, ça veut dire les femmes enceintes. Nous avons fait sonographie, nous avons fait dépistage pour cancer col, nous avons fait traitement pour cancer col les livines bonheur. Nous avons fait planning et puis les femmes viennent ici, ils peuvent recevoir tout soin qu'ils ont besoin. Si vous avez une tension ou bien fait sucre, Dr. Bernard ou bien l'autre staff qui est autour. C'est le moment pour nous prendre une pause publicitaire. Restez branchés, Naptonet. Nous retournons après pause là, initiative pour développement Latibonite IDEA, c'est en nouvelle et strictis social ac développement qui lancé dimanche 29 avril là dans la commune Lestet, département Latibonite. Et strictis ça, tête li objectif d'ici l'année 2030 pour département Latibonite produit manger pour tout pays
manger et puis même vendre à l'étranger. Coordonnateur Estrictissa, Jean Pressoir, sénateur Karl Murat Cantab et sénateur Yuri La Tortue, deux membres fondateurs IDEA, annoncé tout membre Estrictia a besoin de crédit pour faire agriculture dans la région. Un extrait dans le micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Question monde a parti par bande et par paquet pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller dans toute l'Amérique du Sud, pour aller dans Caraïbes là, à chercher travail là, et bien, d'où qu'il y a capacité ici, tout, dans le département de la Tibonite, dans tout le pays, pour nous créer opportunité pour tous citoyens, pour tous jeunes garçons et jeunes femmes, jeunes travaillent en pays. Parce que là, nous avons un monde qui est au Chili, nous avons constaté ça à travers les réseaux sociaux. Moun yo se nan chan zon yo yap travay. Se nan tomate yap travay. Se nan pomme de terre yale travay chili. E ben nou di sa pa posib. Si chili gen te pou fè pomme de terre, gen te pou fè tomate, gen te pou fè diwi. La si bonit nou gen te tou. Fwa nou mette terre yon valè, fwa nou mette moun yo nan posisyon pou tout si travay pou responsabilite yo. Pou nou fè terre la si bonit bay manje. Pou moun si spren adouan emilyasyon devan si travay l'étranger. Fak nou kon zouti de devlopman. Fak nou kon zouti. Qui est capable d'attaquer, qui est capable d'adresser les problèmes prioritaires de ce département pour que, ensemble, avec la communauté, nous chutons, nous avons des problèmes, nous atteignons des projets pour nous. C'est dans ce sens, nous tous nous chutons, ensemble, nous faisons notre travail et nous descendons avec la contention organisation ça, qui c'est IDA, Initiative Développement Atibonite. IDA, pas en ONG. IDA par un parti politique. Je dis à nous ne pouvons pas parler de politique là. IDA c'est une association qui a un paquet de l'autre association collée avec elle. Qui a un paquet de l'autre monde qui a marché avec elle. Qui justement mettait tout ensemble pour que nous fassions développement la Gaïno. Son bras de développement, son outil de développement, IDA. C'est un bagage que nous faisons comme un instrument pour que nous accompagnions le peuple latimonique là, de les 17 communes, pour que nous avancions vers le développement. Mamidayo, préparez-nous parce que nous voulons le travail. Mais je parle à coordonnateur là. Là, nous faisons former, nous avons besoin de corps pour notre travail. Au lieu que nous prenions pour y aller, lorsque Mamida, il y a prêt au corps là, sans intérêt. Pour qu'on travaille, je ne vais pas prétendre à 10%, je ne vais pas prétendre à 20%, mais il faut faire 4 IDA, parce que nous ne pouvons pas quitter le monde pour être libre. En plus, le monde, justement, c'est garder côté ça bon. Mais le mouvement, ça qui fait, il demande un pile travail dans la communion, il demande un pile nuit que nous perdons, il demande un pile déplacement que le sénateur a fait, il demande un pile militant qui campait avec nous, et je dis à militants, ça repart dehors. L'autre information, regroupement journaliste, reporter local, mandé autorité dans la police nationale pour présenter rapport enquête sous disparition photojournaliste Vladimir Le Gagneur dans le quartier Grand Ravine en date 14 mars passé. Coordonnateur général adjoint, regroupement journaliste là, Jacques Innocent, mandé direction centrale police judiciaire pour continuer mener enquête sous disparition photojournaliste et puis arrêter coupable. Jacques Innocent, dans le micro Saint-Kwapaki avec Moïse Wilwich. Le regroupement journaliste reporter local matin, dans la conférence, ça, nous venons parler une dernière fois avec l'autorité pour nous connaître qui ça y a fait dans le jour qui a venu. Est-ce que nous connaissons dans le cadre d'enquête qui a mené, qui ça qui arrive là, ou bien si nous avons fait un pour nous passer à l'autre vitesse. Nous attendons avec impatience le rapport enquête ça. Parce que faut que nous connaissions qui s'acrivait Le Gagneur Grand Ravine. Faut que nous connaissions est-ce que Vladimir Le Gagneur continue à vivre. Faut que nous connaissions est-ce que tout y a assassiné. Faut que nous connaissions pour qui ça, si toutefois c'est assassiné, y a assassiné. Faut que nous connaissions qui ça qui est à la base, qui ça qui a gagné comme problème. Et quel que soit ça qui a gagné comme problème, même pas qu'un monde capable de prendre responsabilité ça, capable de prendre le malin plaisir pour mettre manchette ou bien tuer un journaliste par balle. Pour bon plaisir, pour faire soit tête ou plaisir ou bien pour faire un secteur plaisir. Nous disons qu'il faut que l'État pas dormir sur ça. Un groupe étudiant Institut Etidak Recherche Africain d'Haïti IRA dénoncé lundi 30 avril 2018 la décision en décanat faculté s'apprend
pour baptiser auditorium Espace Université ça Hall Soyinka qui c'est un écrivain nigérian. D'après étudiants protestataires, c'est une violation article 7 constitution pays d'Haïti qui interdit édifice public yo pour des non personnages qui vivent. Yon nan étudiant yo Ivenson Hassan a pote plus explications nan micro Lunel Jean-Louis ak Moïse Wilbridge. De canaliseur s'est décidé pour capable bay audition nan pote non monsieur Wolsonka. Mais yo pa rappelé yo de article 7 constitution que m'a pli pou le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms des personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art. En vertu de cette norme constitutionnelle, en vertu de ces dispositions constitutionnelles, il est formellement interdit à ce que ou bay un monde qui vivant porter nom ou bay un monde vivant privilège pour un bâtiment public, une chose publique porter nom. Donc, dans ce sens, ça, en tant qu'étudiant qui a étudié philosophie et sciences politiques, qui est étudiant qui est conscient des problèmes pays, qui a pensé pour demain, qui a pensé pour la bonne marche des institutions de nos pays, n'est pas capable d'accepter une telle violation flagrante. C'est pour ça que nous avons écrit des canards, plusieurs lettres, nous avons écrit nos pétitions depuis le 19 avril, nous demandons pour être capable d'effacer non monsieur Soyinka sous bâtiment public là parce que l'auditorium est un bâtiment public parce que l'IERA est un bâtiment public en vertu du principe juridique selon lequel il est dit que l'accessoire sur le principal si on tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'IERA sont publics, les chaises tout ce qui attache à l'IERA sont des choses publiques donc on va pas mettre non monde qui vivent sous yo. N'a font coup de pied l'autre bord de l'eau, nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo fait une visite dans Proche-Orient samedi 28 avril là, accord sous nucléaire iranien tenant mi-temps discussion yo en suivre. À peine investi jeudi 26 avril là comme 70e secrétaire d'État américain, Mike Pompeo tente en tournée dans Proche-Orient bon côté allié clé États-Unis, Israël, Jordanie et Arabie Saoudite. Nouveau secrétaire d'État américain arrivé dimanche 29 avril là dans pays Jordanie pour dernière étape tournée ça qui démarrait depuis samedi 28 avril là. Dans cadre tournée ça, Mike Pompeo te gen pour discuter soit accord nucléaire iranien. Dans micro la presse, Mike Pompeo parlait tout de rencontre li te réalisé en secret avec leader nord-coréen Kim Jong-un avec dernier progrès qui fait dans péninsule là. Toujours d'après Mike Pompeo, chaque étape important, objectif là pas changé, yon dénucléarisation complet, vérifiable et puis définitif. Jean administration américaine veut ça. Accord nucléaire entre Iran et 6 pays grande puissance qui était signé dans l'année 2015 pas négociable. C'est déclaration président iranien Hassan Rouhani en conversation li gagné en téléphone avec Tokay français li Emmanuel Macron. Président français a bon côté pâle, pas de cacher intention pour préserver accord sous nucléaire iranien. Côté demandé pour discussion yo l'ouvrir sous trois sujets additionnels contrôle activité nucléaire après 2015 programme balistique Iran ak principale crise régionale yo en suivre. D'après Elisea, président français Emmanuel Macron te parlé pendant plus passé inet temps dans téléphone ak Tokay iranien li Hassan Rouhani. Dans cadre conversation ça président français Emmanuel Macron ak Tokay iranien li Hassan Rouhani entendu dimanche 29 avril là pour faire tout ça yo capable pour kembe accord 2015 sur nucléaire iranien. D'après Hassan Rouhani, accord nucléaire li te signé avec 6 pays grande puissance, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, Allemagne, pas négociable. Dans communication ça, président République française a pas caché intention li par rapport à négociation 2015 là, côté demandé pour discussion yo l'ouvrir sur trois sujets additionnels qui indispensables. Contrôle activité nucléaire après 2025, programme balistique Iran ak principale crise régionale yo. Le président a déjà mis d'accord pour travailler dans semaine k'ap vini yo sous préservation accord nucléaire. Président Macron rappelé la prêté dans quatre accords et puis la travail pour gain avancé qui fait dans trois sujets additionnels ça yo. Président Macron insisté tout sous nécessité pour éviter toute tension dans région.
N'a pas retourné la caille. Quatrième édition, fête patronale Sainte-Catherine dans la commune Arnaud, célébrée dimanche 29 avril. Dans l'occasion, autorité dans la commune Nantes a organisé diverses activités pour marquer Datsa, parmi activités Sayo, Yomès dans l'église Sainte-Catherine qui déroulait en présence plusieurs parlementaires dans le département NIP. Colo Elisère et Michel Joseph a présenté un reportage. Cérémonie religieuse, animation culturelle, c'est quelques activités qui étaient réalisées pour marquer la célébration fête Sainte-Catherine dans la circonscription Arnaud. Célébrant principal messe-là, Mgr Pierre-André Dumas, dans la prêche prononcée dans ces circonstances-là, a parlé sur leadership et responsabilité, côté lui expliquer sens et importance de Moussaïo. Mgr Dumas encourager l'autorité à continuer à prendre responsabilité dans l'idée pour changer les conditions de vie de la population. Catherine a dû, comme jeune femme, assumer des responsabilités uniques. Elle est morte à 33 ans. Elle n'a pas eu beaucoup de temps. Mais elle savait que notre vie sur cette terre a ses limites. Elle est marquée par la contingence et la finitude. Ce que l'on doit faire, on doit le faire vite et bien le faire. Catherine, alors, en quelque sorte, s'était laissée entraîner par l'Esprit du Seigneur dans cette lumière qu'elle a contemplée pour rejaillir cette lumière sur l'humanité, sur le monde et particulièrement sur l'Église et sur la cité. Frère Maxemio, regardez la vie Catherine, il est capable de passer dans l'histoire comme une vie qui est banale. On ne peut pas même aujourd'hui parler de lui-même. Mais la vie Saint-Yo, c'est là se créer. Parce que tout enveloppé dans la lumière du Seigneur, ses vies nous parlent. Député circonscription Arnaud, Wilner Gerville, exprime satisfaction pour le déroulement fait là et puis profiter demander aux autorités nipoises toujours continuer le travail dans tête ensemble avec le président de la République, Jovenel Moïse, et une façon pour le département continuer à développer. Si nous avons un ensemble de travail qu'a fait, comme tu après côté que nous avons une route qui soutient ça pour mener à nous, qui est en très bon état et qui commence à faire des grandes envergure. Et deuxièmement, après, depuis hier, je pense que je suis TNH là, depuis hier, je suis suivi, je suis pris interview, je pense qu'à travers l'interview, ça va prendre la RIA, je pense qu'il y a un pile de bagages, il recueille, et spécialement, nous, hier soir, il y a un gros festival, et côté que tu as un Fly Compact, tu as un Récent, tu as un Buzz, tu as un Campèche, tu as un Bookman Experience, et tant d'autres. Et de l'autre artiste qui était là. Donc, m'a dit que matin, et c'est fête Sainte-Catherine, c'est fête Radio Vision Nip. Et jeudi, Radio Vision Nip coïncide avec Sainte-Catherine qui a fêté ensemble. Donc, c'est la raison ça qui fait que nous sommes là ensemble avec tout le monde. Bon, par rapport avec l'année dernière, je suis capable de dire ça. Même, si nous avons baillé sous 10 points, si nous avons couru sous 10 points, là, nous sommes capables de dire que nous avons baillé n'importe 8 pour l'année ça. Parce que l'année passée, pas de route. Pour machine de venir, c'était en bas la pluie, c'était la boue. Ça veut dire moi, j'étais obligé d'entrer dans nettoyer route dans la boue. Ça veut dire pas de possibilité pour que mon arrive à nous. Je dis c'est différent et n'a dit l'année prochaine même pas que sa pièce c'est béton qu'a bien même terre sera pilée, pas pilée encore à partir de l'année prochaine par rapport à, et voir peuple là, votre peuple là qui mettait ensemble avec Jovenel pour nous dire peuple en savoir nous. Ça veut dire c'est raceta pas une jambe était dans ma ça. Activité pour marquer fête Sainte-Catherine, tap pral bout sous place publique à Noa, côté groupe Boz, Campèche, tap créé animation anodienne. Sénateur département Niplan, Nenel Kassi, avec Denis Kado exprimé satisfaction yo pour façon fête Sainte-Catherine l'an déroulé à Nessa. Sénateur Denis Kado encourager autorité yo continuer travail dans tête collée pour permettre caravane changement pour te plus résultats dans le département Niplan. Un extrait dans micro Elisère Kolo avec Michel Joseph. Moins satisfait par rapport avec ensemble population qui est présent, même cadeau en termes d'activité et par rapport avec attente population, par rapport avec ensemble des problèmes qui a rencontré beaucoup de degré de satisfaction parce que nous besoin que pep ça les ralons souffre, besoin que nous combattre le chômage, besoin que génio rete dans pays a. Arnaud, c'est avec un savon, c'est commune qui premier bénéficier impact caravane. Et dans ce sens, pouvoir là, avec nous-mêmes, qui sommes mandataires, nous fait en sorte que nous toujours là pour nous permettre que nous-mêmes nous bénéficions, retomber vote que nous avons, parce que nous estimons, en tant que mandataires, nous faisons un travail dans l'intérêt de la population.
Jésulène Jean, yon ti moun 10 l'année qui pedi route Kaili lundi 30 avril là. Jésulène Jean mandé pour celle Jésula Jean vini chercher li dans télévision nationale d'Haïti. Mes derniers rappels, Titio, président République la Jovenel Moïse, présenté lundi 30 avril là dans Palais National diverses réalisations qui fêtent dans le pays dans le cadre de Caravane Changement. Présentation ça a fait dans l'occasion au premier anniversaire lancement officiel Caravane Lan. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui était avec l'autre membre Conseil supérieur Police nationale d'Haïti visité Ville au Cap après incident samedi 28 avril là côté un citoyen pedi la ville avec plusieurs monde blessé situation qui était produit à cause individu t'est lancé gaz lacrymogène pendant une conférence sous Petro-Caribé. Chef gouvernement dit il passé instruction pour limier fait sous incident ça. On gère de l'eau pour augmenter production nationale là, c'est sous thème ça, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural. Dans tête collée avec ministère affaires sociales et travail a célébré fête agriculture et travail là dès même à 1er mai. Depuis hier dimanche là, yon froid agro-industriel et artisanal l'ouvri pour marquer occasion. Ministère Santé publique et secrétaire d'État pour intégration moun handicapé clôturé lundi 30 avril 2018 là, première phase campagne sensibilisation sous maladie autisme là. Nouvelle la lot bodlo accord nucléaire entre Iran et 6 pays, 6 grandes puissances yo qui était signé dans l'année 2015 pas négociable, c'est déclaration président iranien Hassan Rouhani dans conversation li té gagnant dans téléphone à Tokay Franceli Emmanuel Macron. C'est la journal La Boute pour Assoya. Toute équipe là était content avec vous pour présenter au lit avant nous aller. Quittez nous souhaiter un joyeux anniversaire avec collaboratrice et présentatrice télévision Linella Sandra André. Nous souhaitons santé, succès, longévité et surtout prospérité. Nous faisons un journal là. Nous disons tout le monde au revoir. À bientôt.